Allez, on va faire le résultat des pronos. À Silverstone, la victoire de Lewis Hamilton, évidemment. Il fallait trouver donc 1h22 et 27 secondes. Une course assez courte, hein, finalement, même s'il y a eu de la pluie. Il n'y a pas eu de safety car. Mais retour a été réalisé par Piastri, je crois. Ah non, c'est Sainz. Ah oui, c'est vrai, Sainz, il a remis des softs à la fin. Ok. Ok. Donc Hamilton. Verstappen. Norris. Piastri. Sainz. Il y a eu de la pluie. Beaucoup. Et alors, DNF. Un seul, je crois. Ouais, parce que Gasly est en DNS. C'est ça. Donc, un seul DNF. Pas de safety car. C'est parti. Et c'est Simple qui s'impose. 1450 points. Bravo. Voilà, t'as géré, hein, franchement. T'as trouvé le bon nombre de DNF. Bon, le temps de la course un peu loin, mais en même temps, c'était dur. Et t'as trouvé Hamilton, Verstappen, Norris, Piastri aussi, du coup. C'est con parce que Russell, t'aurais pu faire un carton plein si t'avais mis Sainz, du coup. Mais bon, après, c'est déjà pas mal, hein, 1450 en vrai. Alors, Electip, Coco, Neilou, Xenody, Zach, Sébastien, pas mal. Enfin, ah oui, mais par contre, il y a des énormes écarts. Hein. Ah ouais, putain. Ça passe de 1450 à 630, 390, 315. Ah ouais, et puis derrière, ça tombe à 45, quoi. Pas facile, hein. Eh ben, bon, voyons les classements. Nous avons donc toujours mon compte principal en tête devant Electib. Abel, toujours P3, mais là, il s'est bien fait rattraper encore par Coco. Pronotype Roro. Simple qui revient, du coup, avec ses 1450 points un petit peu sur ceux de devant, c'est bien, belle remontée. Tesla Team, Maxime, Abdel, Adrien. Puis derrière, bah, c'est un peu plus loin, tout simplement. Alors, notez que Seb 2 sera chez Audi et Coco 2 chez As, du coup. Je vais mettre à jour le constructeur d'ailleurs. Allez, c'est parti. Electib 16239. Abel 15564. 564. Ensuite, nous avons Coco 1. 15131. 15131. Ensuite, pronotype 14874. Roh 14404. Simple 14144. Et Williams qui passe devant McLaren pour l'instant. Tesla type 13314. Plus bas. Maxime 12877. Plus haut. Et là. Pas beaucoup de points, hein, Maxime, ce week-end, hein, quand même. Hein. 45 et 165, ça fait mal. Hein. Abdel, 12346. Eh, à deux doigts de faire 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Dommage. Adrien, 11594. Il a oublié la qualif. Xenodis, 11460. F1 Tib, 11228.
C'est long à faire, hein. 11 038 pour Deal. Onze mille vingt-quatre petit buffon. Nelou, 9 534. Zach, 9 423. Alvin, alors Alvin il a pas joué du coup du week-end. Donc ça ne bouge pas. Nono, 7 998. Alors il est où lui déjà? Là. Ah non, pardon, c'est Nestaï. Lui, il a 7 843 du coup. Ok, Ness. Ici. Voilà. Belinda n'a pas joué. Sébastien, 3 564. Et Seb 2, 45. J'ai déjà mis, c'est bon. Coco 2 n'a pas joué pour l'instant, il jouera la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup là? Est-ce qu'il y a des changements? Williams qui passe devant McLaren. Ferrari devant Alpine. Haas devant Andretti. Bon, je vais retrier ça du coup. Voilà ce que ça donne au classement par équipe du coup. Ça reste serré entre Williams et McLaren. Ferrari et Alpine aussi du coup. Red Bull Lotus, pareil. As, bon, avec Coco 2, je pense que ça va être la remontada jusqu'à la fin de la saison. On va voir à quelle place ils termineront. En vrai, il peut peut-être jouer la deuxième place, s'il se débrouille bien. Faudra pas louper les pronos, par contre. J'ai mis à jour les écarts aussi. Voilà, bon. Passons maintenant au truc des jokers, etc., des doubles points. Voilà, c'est fait. Bon, il me reste 20 doubles points pour l'instant, mais même si je rappelle qu'à l'issue du 40e pronostic, il y aura les récompenses du top 10 encore une fois. Donc normalement, je devrais être calé avec le bon chiffre jusqu'à la fin. Je pourrais utiliser des doubles points, a priori. Mes autres comptes n'ont pas beaucoup de doubles points en stock. Mais bon, c'est le jeu, hein. Moi, je peux pas prendre la banque pour le coup. Gros, lui en reste 8,6. Corentin, 29. D'ailleurs, Corentin, si tu veux que Coco 2 ait des doubles points, si tu veux en transférer, tu peux, hein, parce que vu que tu en as pris 37 avec PayPal sur Coco 1, si tu veux transférer une partie, sachant que là il t'en reste 29, si tu veux transférer une partie sur Coco 2, tu peux éventuellement. Donc, par contre, évidemment, ça sera soustrait de Coco 1, logique. Parce que là, Coco 2 n'a pas de double points, donc. Si tu veux copier le type, bah il n'y aura pas de double point quoi, pour toi. C'est ça le truc. Sur Coco 2, voilà, il n'y aura pas les double points, même s'il y aura le copiage. À toi de voir ce que tu veux faire. Parce que là, t'as 29 double points sur Coco 1, je pense que c'est pas mal. En tout cas, la possibilité de transférer est possible. Enfin, elle est là, quoi. Alvin, donc, il lui reste 5,4, Simple 5,5. Maxime 5 piles. Abdel, il lui reste 4 et quelques. Deal, il n'y en a pas. Xeno 10 non plus. Abel 16, il lui en reste 7,4, pas mal. Sébastien, t'en as plus assez pour faire 1 pour l'instant. A voir si Seb 2, en tant que filleul, va te rapporter quelques doubles points. Pour l'instant, c'est 0,2. Donc, enfin, 0,02 même. C'est sûr qu'il va falloir marquer pas mal de points. Et Seb 2 n'en a pas non plus. Il vient d'arriver. Voilà, voilà pour ça. Donc, ma foi, bah, à vous de voir, hein, si vous voulez prendre la banque, etc., c'est possible. Ou des subs Twitch, etc. Prochain rendez-vous, ça sera donc à Silverstone en 2 semaines. Il n'y aura pas de course sprint, ça sera que 2 pronos à faire. Qualif et course. Allez, à dans 2 semaines. La Hongrie, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit là? Silverstone? Non. Hongrie. Ça sera la Hongrie dans 2 semaines. On va pas faire que Silverstone, même si ça serait pas mal, hein. Lewis qui gagne à chaque fois, bon. Moi, je prends. Hein. On verra la Hongrie, peut-être que Mercedes sera bon aussi.